Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour mon deuxième podcast. Alors pour commencer, je me présente, je m'appelle Elena, a winter needle sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Ravelry, sur mon blog, sur WordPress, et c'est tout je crois. Alors ce deuxième podcast est un peu particulier parce que j'ai décidé de ne parler que de vêtements et d'accessoires pour enfants, et surtout pour bébés même. J'ai pas grand chose en réalisation de tricot ou de couture pour adultes à vous montrer. Et je me suis donc dit que ce serait mieux de faire un podcast dédié uniquement aux affaires pour bébés. Je me doute bien que ça n'intéresse pas tout le monde et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale juste pour ça. Je pense pas que j'en ferai beaucoup d'autres comme ça. Je crois que j'ai eu beaucoup de temps ces derniers temps pour faire des réalisations pour bébés, mais j'ai bien envie de me remettre à la couture et au tricot pour adultes, enfin, surtout pour moi par la suite. Alors j'ai quelques choses, accessoires ou vêtements à vous présenter. Je vais commencer par une peluche que j'ai, enfin un amigurumi que j'ai réalisé il y a quelques mois déjà de cela, au mois de juillet je crois. Alors je vous le montre. C'est le kangourou qui s'appelle Kira de Lali Laland. J'aime beaucoup cette marque, ça faisait des mois que je lorgnais sur ses réalisations, que je trouvais vraiment très très mignonne. Et j'ai craqué sur ce petit kangourou. C'est la première fois que je réalise une peluche comme ça au crochet, enfin un petit accessoire comme ça au crochet. J'en suis très contente, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait dans un coton que j'avais en stock et dont je ne me souviens plus du nom. Mais je noterai toutes les informations sur toutes les informations pratiques sur les laines, les tissus, les cotons utilisés et les patrons sur mon blog. Comme ça vous aurez le détail si vous le souhaitez. Voilà, donc ce petit kangourou, enfin c'est une maman kangourou avec son petit bébé dans la poche que je trouve super mignon. J'ai mis un peu de temps à le réaliser, je l'ai fait au moment où je travaillais encore, donc je crochetais surtout dans le train le matin et le soir. Et je dois dire que j'avais envie d'en faire beaucoup d'autres et finalement je suis contente d'avoir fini celui-ci et je suis pas certaine que je vais en faire beaucoup d'autres parce que c'est pas une réalisation qui, enfin le fait de le crocheter en soi ne m'a pas tellement plu parce que c'est beaucoup de petites choses, petites parties à crocheter séparément qu'on assemble à la fin et je trouve ça assez laborieux. Moi j'aime mieux les grandes réalisations, enfin les grands tricots, les pulls, les couvertures, les trucs comme ça où on peut passer des heures dessus. Là voilà, vous passez, enfin j'ai passé quoi, une heure ou deux à faire la capuche, puis la tête, puis ensuite on fait le corps en commençant par les pieds, on remonte doucement pour faire le corps. Au fur et à mesure il faut mettre de la ouate dedans. Parce qu'à la fin c'est trop serré, donc il faut la faire, il faut la rajouter au fur et à mesure. On fait les bras séparément, la petite poche devant sur le ventre, la poche ventrale on la fait séparément aussi. Pour le petit bébé c'est pareil, on fait d'abord la capuche, la tête, le corps et les oreilles. Et ensuite on assemble tout. Et je dois dire que moi l'assemblage, la couture de parties comme ça, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Il a fallu que je me fasse un petit peu violence à la fin pour terminer cette petite peluche que je trouve néanmoins adorable. Au niveau technique, donc c'est la première fois que je fais une peluche comme ça au crochet. Alors j'avais déjà fait quelques
quelques réalisations au crochet. J'avais fait un haut notamment l'année dernière, un petit haut d'été qui m'avait pris un peu de temps. Donc je savais déjà crocheter un peu. Après, je suis pas du tout une experte. Comme souvent, il se passe plusieurs mois entre deux réalisations au crochet. Bon, j'oublie un petit peu les points. À chaque fois, il faut que je revérifie. Mais je dois dire que c'est pas hyper compliqué non plus. Pour les augmentations, diminutions, j'ai trouvé des vidéos sur internet qui expliquent assez bien comment il faut faire. Voilà, sinon c'est juste des... Alors, je sais plus comment on les appelle, ces mailles au crochet. C'est des mailles toutes simples, donc il n'y a vraiment pas grand-chose de très compliqué. Moi, j'ai fait une petite erreur au niveau du corps, c'est-à-dire que j'ai commencé par les pieds, et vous avez donc enfin le pied est un peu plus avancé vers l'avant. Et alors on fait les deux pieds, si je me souviens bien, séparément, et ensuite à ce niveau-là, on rattache tout ensemble. Et là, moi j'ai inversé ce que j'aurais dû faire dans le dos et à l'avant. Donc ici, vous voyez un peu les augmentations puis les diminutions. Je ne sais pas si c'est très clair, mais celles qui se trouvent devant, on aurait dû les voir à l'arrière. Après, au niveau de la forme, ça change rien. Donc bon, ça m'a pas paru catastrophique. Surtout que bah, ensuite, on rajoute la petite poche ventrale à l'avant et le petit bébé. Donc finalement, ça se voit vraiment presque pas. Que dire d'autre? J'ai ah oui, l'écharpe qu'on rajoute à la fin est tricotée. Donc sur tout le corps, c'est des mailles toutes simples. Il y a juste au niveau de la poche ventrale. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. Ouais, bon, on voit peut-être pas super bien. Donc au niveau de la poche et des oreilles. Il y a un petit diagramme à suivre puisque dans les deux cas, enfin, les oreilles en fait c'est des cercles. Ce sont deux cercles qu'on superpose l'un sur l'autre et qu'on coud ensemble. Et la poche ventrale c'est un demi-cercle. Donc là il y a un petit diagramme à suivre. Au niveau du patron, aucune remarque. Je me souviens d'aucune difficulté particulière. Le patron est assez bien expliqué avec des diagrammes, des explications écrites. Donc là, il y a, oui, non, il y a rien à dire. De toute façon, c'est une créatrice de patron qui s'appelle donc Lali Lalande, qui est vraiment reconnue, qui a fait beaucoup de petites peluches comme ça, super mignonnes. Qui en ce moment, je crois, son livre qui doit paraître bientôt tourne autour des insectes. Il y a des choses qui ont l'air trop mignonnes là-dedans. Peut-être que je vais m'y remettre un peu, surtout que ça a l'air plus petit et donc plus rapide à faire. Mais voilà, donc mon petit kangourou Kira avec son petit bébé. Alors, la chose suivante, c'est... Une toute petite réalisation, c'est des mini chaussettes. Des mini chaussettes pour le petit bébé à venir. Alors je ne sais pas s'il va beaucoup les porter parce que je ne suis pas sûre qu'il portera beaucoup de chaussettes. Mais j'avais envie de tricoter une petite paire de chaussettes. L'avantage, c'est que ça va hyper vite à tricoter des chaussettes pour bébé. Ça m'a pris... Enfin, je l'ai fait en plusieurs fois, je l'ai fait par petits bouts, mais je pense qu'au total, je sais pas, en quelques heures, j'aurais pu les faire. Il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est juste que j'ai fait la plus longue d'abord, en suivant exactement les indications du patron. Et après, je me suis dit que ça faisait un peu chaussette de lutin, qu'elle était un peu énorme. Du coup, la deuxième, je l'ai fait un peu plus courte, et disant que celle-ci, je la reprendrai peut-être pour la raccourcir un tout petit peu, mais... Je ne sais pas si j'aurai le courage, on verra. Voilà, c'est des chaussettes vraiment toutes simples à réaliser. On commence par le haut, on tricote la partie de la cheville.
Ensuite, on tricote le talon, on reprend pour et on reprend pour les mailles pour le reste du pied. C'est vraiment vraiment tout simple à faire. Il y a des côtes en 2-1 sur la cheville et l'avant du pied. Et voilà, c'est un patron qui est disponible gratuitement sur Ravelry qui s'appelle Baby Mitten Socks. Là encore, je vous mettrai les indications pour ceux que ça intéresserait. Et voilà, tricoter des chaussettes pour bébé, c'est vraiment génial, tellement ça va vite à faire. Ça permet d'utiliser des restes. Pour ma part, c'est un reste de pelote de Drops, de la Drops Alpaca, qui est toute douce, qui gratte peut-être un petit peu, je ne sais pas trop, mais pour l'instant, je la trouve surtout toute douce. Voilà, mes petites poches, mes petites chaussettes, je veux dire, mes petites chaussettes trop mignonnes. Ensuite, j'ai fait un body, j'ai tricoté un body pour bébé. Alors c'est le body qui s'appelle Willems Overall, je crois, de Petite Knit. Alors Petite Knit, ça a l'air d'être la marque vraiment très à la mode en ce moment pour les patrons de bébé. Si vous la suivez sur Instagram, parce que c'est une femme qui est derrière cette marque, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est danoise, il me semble. Elle doit avoir une trentaine d'années, j'imagine qu'elle a elle-même des enfants, ou en tout cas là elle en attend un. Et alors, ses photos, les photos de ses réalisations sont super jolies, c'est vrai que ça donne envie. C'est des réalisations qui sont souvent assez simples. Il y a pas mal enfin, il y a plusieurs gilets. Des petits bodys, enfin des petits shorts, des petites choses comme ça pour les bébés ou enfants. Et c'est assez mignon. Alors moi j'avais un peu craqué, c'est vrai, en découvrant cette marque il y a quelques mois déjà. Et donc là j'ai enfin réalisé un de ces patrons. Bon, je vous montre un peu comment c'est fait avant de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, on commence par le bas en faisant donc une partie en côte 1-1, je crois. Et puis, donc, on tricote doucement vers le haut en faisant d'abord des augmentations ici au niveau des jambes. Ensuite, on a une partie assez longue pour le corps. Et puis à nouveau des côtes ici au niveau de la poitrine. Et on termine par des bretelles en côte, toute simple. Aussi. Alors la laine que j'ai utilisée, c'est de la Old Scarn Coast, couleur charcoal. Je ne sais plus exactement combien j'en ai utilisé. Je pense que ça doit être l'équivalent d'une. Peut-être un peu plus d'une pelote. En fait, moi, j'utilisais des restes de pelote. Du coup, j'avais plusieurs petites pelotes. Je ne sais pas combien ça faisait au total. Il faudrait que je regarde plus précisément. Et j'ai fait quelques bandes de la couleur prune, plum. Pareil en Old Scarn Coast. Aussi avec des restes de pelote que j'avais. J'ai tricoté le fil en double. Parce que en simple, ça me paraissait un peu trop léger, puis en double, ça correspondait à peu près à la gauche du patron. Enfin, l'échantillon du patron. La gauche, c'est en anglais. L'échantillon du patron. Voilà, alors j'en suis assez contente. Je trouve que le corps est un peu énorme. Je me demande s'il n'est pas un peu trop, mais bon, j'ai bien suivi les indications, donc j'espère que ça ira au bébé. Au niveau du patron, j'ai été un peu déçue, pour être honnête. J'ai trouvé que. En fait, en voyant les photos de cette marque qui était vraiment super, qui avait l'air très professionnelle, je m'attendais à un patron un peu plus détaillé, un peu mieux mis en page que ce que j'ai eu au final. Alors, après ce patron-là, c'est le patron, je crois que c'est un des premiers patrons qui est sorti, ce qui explique peut-être. Peut-être que ça a évolué par la suite. Mais moi, je le trouve déjà pas très agréable à la lecture parce que là, il y a une mise en page vraiment toute simple avec des très longs paragraphes expliquant ce qu'il faut faire.
Et je trouve qu'il n'était pas hyper bien expliqué. J'ai quand même, à plusieurs moments, il a fallu que je relise plusieurs fois les différents paragraphes pour bien comprendre ce qu'il fallait faire, alors qu'honnêtement, c'est quand même pas un patron super compliqué, mais c'est juste que... comment expliquer? Par exemple, au niveau des jambes, il va être indiqué de faire, de tricoter tant de centimètres pour la jambe, en maille en vert, en maille en droit. Et ensuite, il est indiqué plus tard, à la fin du paragraphe, qu'il faut faire une augmentation toutes les quatre rangées, pendant à répéter 6 ou 7 fois ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas toujours très clair, que en gros il faut vraiment lire tout le paragraphe en entier pour savoir tout ce qu'il faut faire et pour pas oublier une étape. Parce que sinon, bah moi j'ai pas tendance à lire les patrons à l'avance. C'est vrai que je suis plutôt les patrons au fur et à mesure, ligne par ligne, et j'aurais très bien pu. Si j'avais pas fait bien attention, je me serais dit, ok, bon bah je tricote comme ça les jambes, je tricote en rond pendant 15 cm, et puis me rendre compte après que tout à la fin du paragraphe, il est indiqué qu'il faut mettre des augmentations. Enfin, il y a eu plusieurs petites choses comme ça. Je me souviens plus de tous les détails, mais il y a eu plusieurs petites choses que je trouvais pas très bien expliquées. Et ce qui fait que c'est un patron que je recommanderais pas forcément à des débutantes. Parce que ouais, c'est pas toujours très détaillé. Pour vous donner un autre exemple, pour le corps, bon bah il est indiqué sur combien de centimètres il faut tricoter. Il n'est pas indiqué qu'il faut rabattre ses mailles à la fin. Alors c'est un truc tout con, et bien sûr que quand on sait tricoter, bah à la fin on sait qu'il faut rabattre ses mailles. Mais je trouve que ça aurait pu être un tout petit peu plus détaillé. Et puis bah, quand on est débutant, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, et ça aurait pu être utile d'avoir ces petits détails en plus. Je pense que ça aurait pas coûté grand-chose de rajouter ça dans le patron. Alors il aurait peut-être fait une page de plus. Là, il fait, je crois, 3 pages. Mais personnellement, j'aurais préféré avoir un peu plus de détails et des explications un peu plus claires. Après, bon, voilà, une fois qu'on a compris comment le vêtement était construit, c'est vrai que c'est vraiment pas très compliqué, et ça se fait quand même assez bien. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait aussi, si je me souviens bien, il y a des augmentations, quelques augmentations à ce niveau-là du corps, au niveau de la taille à peu près. Et plutôt que d'indiquer à quels endroits les faire, il me semble que c'est juste indiqué de faire, je sais plus, 8 augmentations sur la rangée ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, c'est pas hyper détaillé, donc c'est plutôt adapté à des gens qui savent déjà un peu tricoter, qui ont déjà un petit peu d'expérience. Voilà, je vous l'ai montré en entier. Il y a les petits boutons que je ne vous ai pas encore montrés. Enfin, il y a une petite boutonnière. Là, au niveau de la poitrine, à rajouter, et voilà. Enfin bon, j'en suis quand même assez contente. Ça va quand même assez vite à faire. Ça, c'est toujours l'avantage des vêtements pour bébé. Ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, j'espère que mon bébé, qui doit naître bientôt, dans quelques semaines, pourra porter ça cet hiver. J'ai pris la taille la plus petite. Je crois que c'est indiqué 3 à 6 mois, il me semble. Donc, à voir si ça ira à un moment ou un autre, si c'est vraiment pratique de faire porter ça à un bébé. Mais voilà, je trouve ça assez mignon, malgré tout. Donc, c'est le Willems Overall de Petite Knit. J'ai encore une chose à vous montrer au crochet. Alors, ça, c'est une réalisation qui n'est pas tout à fait terminée. Que j'ai commencé il y a un petit moment, il y a plus de 2 ans, pour une première grossesse qui s'était terminée un peu trop tôt, et que j'ai eu envie de reprendre cette fois-ci. C'est une petite couverture au crochet. Qui est toute simple à faire.
Pour laquelle j'utilise une couleur principale, donc une pelote de laine de couleur naturelle. Je ne sais plus de quelle marque elle est. Je crois que je l'avais achetée quand j'ai fait de la teinture avec quelques tricopines il y a 2 ou 3 ans. Et c'est une pelote que je n'avais pas teinte, que j'avais, enfin, du coup, que j'avais gardée puis que j'ai utilisée pour ça. Pour l'instant, j'ai, enfin, c'était un écheveau, hein. Pour l'instant, j'ai utilisé à peu près la moitié de l'écheveau. Et sur chaque ligne, enfin en gros, on alterne une rangée de la couleur principale, donc le blanc dans mon cas, et une rangée d'une couleur autre. Et pour ma part, ces rangées contrastantes, ce ne sont que des petits restes de pelote souvent, ou des couleurs, oui, soit des restes de laine, soit des pelotes de laine en acrylique que j'ai depuis, enfin que j'ai acheté il y a des années, que j'utilise plus parce qu'en ce moment j'aime pas trop tricoter de l'acrylique pur. Mais bon, bah là j'en ai mis un peu quand même parce que ça me permet d'alterner les couleurs et que là ça rend assez bien, je trouve. Voilà. Donc une petite couverture. Alors je n'ai plus le nom du patron en tête, tout simplement parce que c'est un patron que j'ai pris dans un livre que j'ai acheté il y a assez longtemps. Je suis même pas sûre qu'il est sur Ravelry. Donc il va falloir que je retrouve le livre, que je retrouve les informations sur le patron pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais dans tous les cas, c'est pas hyper compliqué. En gros, pour les rangées de la laine principale blanche, on fait toujours 3. Oh, j'ai pas les noms des points de crochet en tête. C'est 3 mailles doubles, je crois. 3 crochets doubles. À chaque fois ensemble. Et qu'on met. En fait, enfin, les couleurs contrastantes, c'est juste des. Là encore, j'ai pas le nom du point en tête, je crois que c'est des points chaînettes ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est assez simple à faire. Je vais vous retrouver des informations plus précises que je mettrai sur mon blog pour expliquer tout ça. Voilà, elle n'est pas encore énorme, la couverture. C'est vrai qu'elle n'est pas hyper large. Au début, je pensais qu'elle serait plus large et bon, j'ai pas fait trop attention. Et bon, bah, finalement, j'ai continué comme ça. Elle doit faire quoi? Elle fait je pense, une soixantaine de centimètres de largeur là. Et en longueur presque autant pour l'instant. Mais bon, j'ai bien l'intention de la continuer encore un peu pour qu'elle fasse au moins 1 mètre de long. J'ai assez de restes de pelote pour faire bien 1 mètre, je pense. Voilà, donc ma petite couverture pour bébé ou pas, je sais pas trop à quoi elle servira encore. Je pense que ce sera au début, ce sera pour le bébé, pour le berceau, et puis après on verra. Ensuite, j'ai quelques petites réalisations faites à la couture à vous montrer. Alors, je vais commencer par un accessoire, qui est ma petite guirlande de fanion, dont je suis très contente parce que je l'aime beaucoup. J'ai pas coupé tous les fils encore. Voilà, je vous la fais défiler un petit peu. Comme ça, vous voyez les restes de tissu que j'ai utilisés. C'est que des chutes de tissu. Pour certains, j'en avais vraiment plus beaucoup. Donc, il y a un fanion. Pour certains, j'en avais un peu plus. Donc, j'en ai fait 2 ou 3 ou 4 du même tissu. Et c'est relié par du biais. Ce ne sont que des chutes de tissu africain. C'est soit du wax, soit du tissu chouéchevé. C'est un tissu qui est produit en Afrique du Sud, que j'ai acheté l'hiver dernier en Afrique du Sud. Des tissus que j'adore personnellement, que je trouve trop mignon. Voilà, et donc j'ai fait. Alors j'ai combien de triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 15 fanions, 15 triangles, qui sont reliés avec un écart d'à peu près 5 cm par le biais. Bah voilà, c'est tout simple à faire, hein. J'ai fait un patron de triangle moi-même, donc il fait. J'ai même pas mesuré combien il faisait exactement. Je pense que ça fait à peu près 10 cm sur 15 ou quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, j'ai découpé deux triangles du même tissu que j'ai piqué donc sur les deux longueurs et retourné. Et puis ensuite, c'est assemblé par le haut au niveau du biais. Donc bah, c'est vraiment pas très compliqué à faire, il faut juste se prendre le temps de découper les petits triangles de tissu et de les assembler. Mais voilà, c'est quand même assez simple. Et je comptais mettre cette guirlande comme décoration dans la chambre du bébé. Et j'ai utilisé du biais bleu, pas parce que ça va être une chambre de petit garçon. Mais parce que c'est du biais, c'est le seul biais dont j'avais une longueur assez importante, et parce que moi-même j'aime beaucoup le bleu. Voilà. Donc ma petite guirlande de fanion. J'avais hésité à faire un tuto pour comment réaliser ça, parce que je me disais que ça pouvait servir. En même temps, il y a plein de tutos sur internet. Donc, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire, c'est quand même assez simple à réaliser, hein. Et pour un résultat que je trouve assez sympathique. Ensuite, un autre vêtement qui n'est pas tout à fait terminé parce qu'il me manque encore des boutons et parce que j'ai eu la flemme de coudre les boutonnières pour l'instant. C'est un patron que j'adore, c'est la troisième fois que je le réalise. Et il s'agit du gilet Grand Ours de Hikati Couture. Alors, on ne le voit pas super bien là. Donc, c'est un gilet que ici j'ai réalisé dans la taille la plus petite du patron. Je crois que c'est en 6 mois. Avec donc un gilet doublé. On a le choix dans le patron de faire soit une doublure, soit du biais. Moi, pour l'instant, ce gilet, je l'ai fait que avec des doublures et en jersey. Donc, c'est pas un gilet qui est hyper chaud. Je me dis que peut-être que si nécessaire pour mon bébé à venir, peut-être que je le referai dans un autre tissu plus chaud. Il doit me rester. J'ai des restes de lainage qui pourraient être pas mal pour en faire un petit manteau d'hiver ou de printemps, je sais pas. Et donc c'est un gilet avec une capuche. Enfin, on a le choix, on n'est pas obligé de mettre la capuche, mais moi c'est la version que je préfère, c'est avec la capuche et les petites oreilles de lapin que je trouve trop mignonnes. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, si vous arrivez à le voir en entier. Donc là encore, on n'est pas obligé de mettre la capuche. Il y a donc plusieurs variantes avec ou sans la capuche. Et il y a soit avec les oreilles de lapin, soit avec des petites oreilles d'ours qu'on peut rajouter, qu'on peut mettre ici, je crois, dans le réglant. Alors, que dire sur ce patron? Il est top, il est bien expliqué, il est assez simple à réaliser. Donc, comme je vous le disais, moi, c'est la troisième fois que je le fais. Les deux premières versions sont parties en cadeau de naissance ou cadeau d'anniversaire pour des petits bébés. Enfin, des petits bébés dont ma nièce de 1 an. Et un autre bébé qui venait de naître. Voilà, il est assez simple. Donc, pour la doublure et pour le tissu principal, on découpe les mêmes pièces. Donc, la capuche. Les manches, le devant, le dos, et c'est tout. Enfin, les deux devants, le dos et les manches. On assemble tout d'abord au niveau de la doublure, puis au niveau du tissu extérieur. Et ensuite, on assemble ensemble la doublure et le tissu extérieur. Enfin, il est vraiment assez simple à faire, hein. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est vraiment tout bête.
Pour ma part, je l'ai fait en grande partie à la suite. Bon, j'ai eu un petit souci avec l'appareil photo qui s'est éteint d'un seul coup, donc petite interruption. Donc je disais que le patron est vraiment simple à réaliser, que je l'ai fait en grande partie à la surjeteuse. Alors les premières versions que j'ai fait presque tout à la surjeteuse, sauf que la surjeteuse ne faisait pas hyper bien les arrondis. Donc cette fois-ci, j'ai fait quelques piqûres. Les arrondis au niveau du devant, par exemple, à la machine à coudre. Pareil, je crois que j'ai fait la capuche. La capuche, j'ai dû la piquer à la machine à coudre. Et quoi d'autre? Enfin, non, c'était surtout les arrondis au niveau des devants que j'ai préféré faire piquer à la machine à coudre que à la surjeteuse. Sinon, tout le reste à la surjeteuse, enfin, peu importe ce qu'on utilise, c'est assez simple. Moi, je trouve qu'à la surjeteuse, ça va plus vite et ça fait des finitions, des meilleures finitions. Mais bon, bah là, de toute façon, les finitions, on ne les voit pas puisque quand on a une doublure, bah, toutes les coutures sont à l'intérieur. Il n'y a quasiment aucune couture apparente, à part une surpiqûre au niveau de la capuche. Et une piqûre où moi j'ai un peu triché, c'est enfin normalement il faut laisser quelques centimètres en bas pour enfin quand on assemble le tissu extérieur et la doublure intérieure, il faut laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner le tout. L'idéal ça aurait été de la fermer avec des points visibles. Bon bah moi j'ai eu la flemme et j'ai fait juste une piqûre à la machine à coudre qui est pas hyper visible non plus, à moins de faire bien attention. Le tissu, c'est un tissu de Elvelikan Designs, qui est une marque scandinave, suédoise, je crois, qui fait des tissus que je trouve très mignons. Donc, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Donc, on a des petits tigres comme ça. J'avais passé une commande assez importante de tissus chez eux en juin, je crois, pendant les soldes, un moment où les tissus étaient un peu moins chers. Et j'en ai encore un peu en avance, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses avec des jolis jerseys comme ça.
C'est surtout des jerseys que produit cette marque. Et le jersey me paraît de très bonne qualité. Il est assez fin, donc c'est pas un jersey hyper épais. Mais voilà, il est pas mal. Et pour la doublure, j'ai utilisé un jersey beige acheté sur internet chez Butinette, je crois. Qui pour le coup n'est pas d'excellente qualité, je trouve. Il est assez fin et il bouloche. Non, surtout il roulotte beaucoup sur les côtés. Donc au moment de la découpe, ça a été un peu compliqué. J'ai repassé plusieurs fois le tissu et malgré tout, ça continuait de. Ça roulottait beaucoup. Hein. Il fallait bien tenir le tissu pour pouvoir le découper. Encore une fois, l'avantage des vêtements pour bébé ou pour enfant, c'est que ça n'utilise pas énormément de tissu. Là, je m'en suis sortie avec 65 cm de tissu de chaque, donc pour le tissu extérieur et pour la doublure. Si vous avez des restes de jersey, ça permet d'utiliser des restes aussi. Je pense que c'est pas mal pour ça. Enfin, de jersey ou de tissu d'ailleurs, parce que moi j'ai utilisé du jersey, mais on peut tout à fait utiliser un tissu moins souple, moins en chaîne et trame ou en lainage ou autre chose. C'est pas forcément du jersey qu'il faut utiliser. Voilà, donc mon petit gilet Grand Ours de Hikati Couture. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Hikati Couture, c'est une marque de patron qui est spécialisée dans les vêtements pour enfants, pour bébés, qui fait des choses assez jolies. Pour l'instant, moi, le seul coup de cœur que j'ai eu, c'est pour ce gilet-là, mais je pense qu'au fur et à mesure que mon bébé grandira, je m'intéresserai sûrement à d'autres de leurs patrons qui sont quand même qui sont assez mignons. Voilà. Pour ce gilet. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un sac à langer. Donc plutôt accessoire cette fois-ci. Un sac à langer d'après un patron de l'atelier des gourdes. Un patron qui m'a coûté, c'est un PDF qui a coûté je crois 5 ou 6 euros, donc pas très cher. Hyper bien expliqué. Alors un patron où on n'a pas de... Enfin, les pièces de couture ne sont pas à découper puisque c'est que des rectangles de tissu qu'il faut faire. Donc en gros, il est indiqué quel rectangle de tissu il faut découper dans quel tissu, de quelle taille. Voilà, le patron est vraiment très détaillé, vraiment top. Vous avez plusieurs listes de toutes les fournitures nécessaires, ensuite toutes les différentes pièces qu'il vous faut, dans quel tissu, en combien d'exemplaires. Ensuite, on voit, enfin, il est expliqué petit à petit toutes les différentes pièces, comment il faut les préparer, comment il faut les assembler, et puis à la fin, on assemble toutes les différentes pièces les unes avec les autres. Il est vraiment très bien. Voilà, le patron est vraiment top. Je le recommande beaucoup. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est un sac. Alors, c'est un peu difficile de vous le montrer là parce qu'on ne voit pas hyper bien comment il est fait. Surtout que j'ai utilisé en partie du tissu noir. Donc, c'est pas hyper visible. Enfin, donc c'est un grand sac avec une fermeture éclair en haut. Le sac est rectangulaire. Là, il n'est pas rempli, donc ça se voit pas beaucoup. On a deux anses comme ça sur les côtés, donc pour le tenir comme ça, ou alors une bandoulière pour le tenir comme ça si on le souhaite. Alors, il y a plein de petits détails dans ce sac qui m'ont beaucoup plu. Notamment, vous avez ici en bas sur un des côtés du sac. Une petite poche avec une fermeture éclair qu'on ouvre donc et dans laquelle se trouve un tapis allongé en éponge. Voilà, et le tapis allongé est accroché avec des attaches, des pressions. Enfin, moi j'ai utilisé des pressions CAM, trois petites pressions CAM
ou avec du scratch. Voilà, bon, je galère toujours un peu à fermer et ouvrir les pressions. Donc, on a ce petit sac à langer portable qu'on peut emmener avec soi facilement. La poche fait pile la bonne taille pour ce sac à langer. Donc, bon, je referme. Ensuite, il y avait une option que je n'ai pas faite un peu par flemme. C'était de rajouter des poches élastiquées sur les côtés. Moi, je ne l'ai pas fait. Sinon, sur tout l'extérieur, donc on a un tissu principal qui est pour ma part un tissu africain, encore du tissu chouéchevé que j'adore, que je trouve trop beau. Et moi, j'ai une doublure qui est en coton noir et que j'ai utilisée sur certaines parties de l'extérieur, juste pour contraster un peu. Donc sur la poche du sac à langer, sur les côtés. Et c'est tout. Et puis bah, pour les hanches, enfin sur une partie, un côté de la hanche. Voilà. Alors j'espère que mon tissu africain chevet-chevet est assez épais. J'espère que ça va suffire, qu'il tiendra bien. Honnêtement, si j'avais dû acheter un tissu exprès pour ça, j'aurais peut-être acheté la toile cirée ou un tissu un peu renforcé qui soit un petit peu imperméable. Mais je trouvais ce tissu joli, donc j'avais très envie de l'utiliser. Et donc, on a la bandoulière avec une petite attache pour la bandoulière. Au milieu, on a donc une grande fermeture éclair de 60 cm. Et à l'intérieur, il y a plein de choses que vous verrez sans doute pas très bien parce que ça doit être assez sombre. Donc, vous avez un côté avec des poches élastiquées. Il y a quatre poches élastiquées. Que j'ai faite dans un tissu un petit peu contrastant, un tissu en lin bleu marine, tout simplement parce que j'avais pas assez de noir ni assez de chevet-chevet. Alors j'ai mis un élastique, mais je crois que mon élastique était un petit peu vieux et en fait il n'est plus très élastique. Donc on voit qu'il y a un élastique, mais il n'est pas, voilà, il est pas très élastique. De l'autre côté, on a dans la doublure une poche avec une grande fermeture éclair. C'est une grande poche qui permet de mettre des cahiers, carnets de santé, enfin voilà, des choses assez grandes. Et puis bah, au fond, vous avez tout simplement pas mal de place pour ranger pas mal de choses, des vêtements, des couches, tout ce que vous voulez. Les poches élastiquées, j'imagine que c'est plutôt pour les biberons, je sais pas, les couches, peut-être les couches aussi, peut-être quelques vêtements, mais. Voilà. Enfin, le sac est quand même assez grand. Il peut contenir pas mal de choses. Je crois qu'il fait à peu près. Il doit faire quoi? À peu près 50 cm de longueur. Là, pour la poche du tapis allongé, il fallait, pour faire le tour, une fermeture éclair de 70 cm. Bon, moi, j'en avais pas. J'en avais qu'une de 60 cm. J'avais pas très envie d'aller en acheter une autre. Et du coup, j'ai utilisé ma fermeture éclair de 60 cm et j'ai rajouté une vieille fermeture éclair pour finir de fermer le bas. Alors, c'est peut-être pas hyper propre, mais je trouve que ça, c'est pas catastrophique non plus. Et à l'intérieur, on a aussi un petit range-tétine que j'ai accroché aussi avec une pression cam. Donc c'est juste une petite pochette avec une fermeture éclair, toute simple, qu'on peut aussi accrocher avec. J'ai rajouté le ruban pour pouvoir l'accrocher avec le ruban éventuellement. Voilà, donc le range-tétine. Le patron est, comme je vous disais, vraiment bien expliqué. Il y a des tutos vidéo pour certaines parties de réalisation du patron, notamment le range-tétine. Vous avez une vidéo qui montre très clairement ce qu'il y a à faire. Le seul moment où j'ai un petit peu galéré, c'est sur la fin au niveau de l'assemblage. Parce qu'il faut assembler d'abord toutes les parties du sac qui sont sur le côté avec la face avant. Alors c'était dans quel sens? C'était d'abord avec le tissu extérieur de la face avant et puis ensuite avec la doublure qu'il faut coudre par-dessus.
Sachant qu'au niveau des... Je crois qu'au niveau des dimensions, ça ne correspondait pas tout à fait, sans doute, parce que j'ai pas été tout à fait assez précise avec mes marges de couture. Mais bon, voilà, ça s'est arrangé. Bon, bah, il y a quelques petits plis dans les arrondis là qui sont pas super jolis, mais bon, qui sont pas non plus très très visibles. Ici, vous avez un petit passepoil. Enfin, j'ai rajouté un passepoil entre le haut et le bas de la face, juste pour contraster un peu au niveau des anses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce sac a été très gourmand en aiguilles de machine à coudre. Alors ça, j'ai vraiment eu un problème au moment de l'assemblage des différentes épaisseurs. C'est la deuxième fois que je couds un sac avec ma machine à coudre. J'ai une machine à coudre qui est quand même pas mal. Une Pfaff Ambition, je crois, que j'ai achetée l'année dernière, qui coûte quand même un certain prix et dont on m'avait dit qu'elle supportait assez bien les épaisseurs. Là, je dois dire que je crois que j'ai cassé trois aiguilles, trois aiguilles en pas très longtemps, pendant à peu près 1 heure de couture, au moment d'assembler les faces avec les parties sur le côté. J'étais pas très fière de moi, hein. À la fin, j'ai fait vraiment très attention. Dès qu'il y avait un peu plus d'épaisseur, j'allais vraiment tout doucement. Mais bon, j'ai réussi quand même à casser plusieurs aiguilles. Aussi, je crois qu'il y en a une que j'ai cassée à un moment où je suis passée sur le bord de... Enfin, sur la fermeture éclair. Il devait rester un petit bout métallique dessus que j'avais pas retiré. Donc ça, c'est un peu ma faute. Mais voilà, en tout cas... bon, je pense qu'il faut faire attention en cousant plusieurs épaisseurs comme ça. La machine supporte pas toujours très très bien. Alors moi, enfin, c'est pas la machine qui supporte pas finalement, puisque c'est juste l'aiguille qui s'est cassée dessus. Après, ma machine, elle a quand même pris les différentes épaisseurs sans trop de problème. Mais les aiguilles, peut-être que j'ai pas pris les bonnes épaisseurs d'aiguilles, je sais pas. J'avais regardé un peu avant ce que j'avais comme aiguille, il me semblait que c'était la meilleure épaisseur à utiliser. Bon, bah, à certains moments, ça n'a pas forcément suffi. Voilà, donc mon nouveau sac à langer que j'aime beaucoup, qu'on voit pas très bien sur la vidéo. J'essaierai de prendre des photos quand il sera un peu plus rempli pour que vous puissiez mieux voir la taille du sac et comment, enfin, voilà, comment il se remplit, mieux voir l'intérieur peut-être par contraste. Et voilà, je le trouve. Non, je suis bien contente. J'avais cherché des patrons de sacs à langer il y a quelques mois déjà. Et celui-ci, c'était vraiment celui qui me plaisait plus. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir un petit sac à langer à emporter avec soi. Bon, bah maintenant, il faudra que je voie l'utilisation, s'il est assez bien, s'il est vraiment pratique. Mais je trouve que le patron est vraiment bien réfléchi. Le fait que bah, le sac allongé, par exemple, vous puissiez le retirer, donc comme ça vous pouvez le laver aussi. Enfin, j'ai l'impression que la créatrice de ce patron y a quand même pas mal réfléchi. Je crois qu'elle a des enfants elle-même, donc elle doit savoir ce qui a été utile pour elle et non. Et voilà, donc ce sac me plaît pas mal. Je vous dirai si on l'a beaucoup utilisé par la suite ou pas. Alors je voulais vous parler d'une autre chose, une dernière chose. Là c'est plus un petit conseil, enfin un bon plan pour les femmes enceintes ou les femmes qui ont des petits bébés. Et j'ai oublié de l'apporter ici. Non, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer et puis je vous en parlerai ensuite. À tout de suite. Soit un manteau adapté au portage de bébé ou non. Mais il faut que j'en achète un de toute façon. J'aurais pas le temps de me le coudre moi-même, ça c'était à peu près assez clair. Et j'ai commencé à regarder sur internet les modèles de manteaux adaptés à la grossesse puis au portage. Et je suis tombée sur un site qui s'appelle Lilliputi, qui est un site d'origine hongroise et qui réalise donc des manteaux adaptés à la grossesse et au portage. Donc je vous le montre. Bon, là encore, ça va être un peu dur de bien le montrer, mais
Ouais, on voit pas super bien. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une fermeture éclair devant. Et il y a la possibilité d'ajouter un insert adapté à la grossesse. Donc, que j'ai rajouté là. Et il y a un autre insert qui lui est adapté au portage. Bon, c'est un manteau chaud hein, avec la polaire à l'intérieur. Et pour le dos, dans le dos, ils ont mis aussi une fermeture éclair. Qu'on voit peut-être pas très bien, mais là aussi c'est pour le portage, donc si jamais vous voulez vous porter le bébé dans le dos, bah, vous pouvez mettre votre insert par derrière et c'est adapté au niveau du haut. On a, enfin, ça s'ouvre ici, il y a des pressions pour fermer et ouvrir le haut et donc pouvoir mettre avoir la tête de bébé qui dépasse ici. Voilà, donc moi j'ai testé pour l'instant que l'insert adapté à la grossesse. Je trouve ça hyper pratique parce que c'est vrai que sans l'insert, il est quand même un peu trop serré pour moi. Même si il ferme quand même, mais il est très serré. Et puis j'espère bien pouvoir essayer par la suite la version portage avec le bébé en écharpe devant moi ou en porte-bébé à l'arrière par la suite. Voilà, donc j'avais juste envie de vous le montrer parce que j'étais assez contente d'avoir trouvé ce manteau, que je le trouve hyper pratique. Bon, là, vous le voyez sans doute pas très bien sur la vidéo, mais moi, je le trouve assez joli, il est assez bien, il est assez cintré aussi, donc c'est pas... Enfin, moi j'aime bien les vêtements un peu cintrés, j'aime pas les vêtements trop larges. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode d'avoir des manteaux hyper larges, moi, c'est pas mon truc, donc... Donc je suis assez contente de celui-là qui me va très bien, qui est assez serré au niveau de la taille et qui me plaît bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je me rends absolument pas compte combien de temps ça a duré. Je verrai ça en téléchargeant la vidéo. Voilà, donc là aujourd'hui c'était que des réalisations pour bébé. Je pense que si je fais d'autres vidéos, alors déjà j'ai quelques réalisations pour adultes que j'ai terminées, notamment mon home shawl et puis mon gilet en jacquard qui est presque fini. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera une vidéo avec surtout des réalisations pour adultes, peut-être quelques réalisations pour bébé, un peu de layette si j'en ai fait entre temps. Mais là honnêtement je commence à avoir un petit peu ma dose de layette et puis de tricot de manière générale parce que j'en ai fait beaucoup ces derniers temps. Donc d'une part je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo et d'autre part je pense qu'il y aura plus de couture et de couture adulte parce que c'est ce qui me fait le plus envie en ce moment. Après bah, comme je ne sais pas trop quand le bébé va arriver et comment ça va se passer une fois qu'il sera là, je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de coudre à nouveau beaucoup, mais j'ai espoir d'avoir du temps pour m'y remettre quand même assez rapidement. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis bah, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt.